Oui, je préférerais mourir que de redevenir humain. Et oui, je préférerais mourir. Le Big Mac, vous l'aimez depuis toujours. Nous y veillons chaque jour. Vas-y, ma belle, donne-moi des bonbons fruités, Skittles. Skittles, de délicieux bonbons au goût. Sur la langue. Tu crois que je vais tomber ta tête, elle m'a sauvé. J'avais l'intention de. Chérie, je suis rentré. Regarde ce que je t'ai ramené. Rien que pour toi. Oh, c'est mon chien volé. Chérie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hamburger. Comment ça, un hamburger? Je t'ai dit un chien volé. Oui, je sais, mais ils en font plus depuis longtemps. Comment ça, ils en font plus? Ah non, c'est fini les chiens volés maintenant. Mais je fais comment, moi? Va falloir en faire un, sinon tu l'auras pas. Mais je peux pas en faire un. Si tu veux, il y a du pain, du steak, tu peux. C'est pas con. C'est pas con, hein. Allez, on y va pour la recette. Pour faire un charolais, il nous faut un steak charolais, une tranche d'emmental, une petite salade iceberg, de la mayonnaise, du poivre et un petit pain rustique. Pour commencer, je prends la salade, j'enlève une feuille et je la coupe. Pour faire la fameuse sauce, je prends une grosse cuillère à soupe de mayonnaise et j'ajoute une petite cuillère rase de poivre. Ensuite, dans une poêle chaude, je viens mettre le pain pour le faire légèrement griller et je viens recouvrir avec un couvercle pour que le pain soit plus moelleux. Je passe à la viande, je mets de l'huile dans ma poêle et je mets mon steak. Quand il est cuit, j'ajoute dessus une tranche d'emmental et je le laisse jusqu'à ce que mon fromage soit fondu. Pour le montage du charolais, je prends la base de mon pain, je mets mon steak avec l'emmental fondu. Sur le pain du dessus, j'étale la sauce au poivre et j'ajoute de la salade. Pour finir, je ferme le burger avec le pain du dessus et j'appuie légèrement. Mmh. Oh, c'est trop bon. Mmh. Charolais. Ça y est, j'ai enfin eu mon charolais et je l'ai dégommé. Il est trop bon. En plus, c'est fait maison, c'est encore mieux. Si toi aussi t'en as marre que McDo enlève ce sandwich de malade, mets un petit pouce bleu. Et surtout, partage la vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalée et c'est juste trop bon. En plus, le charolais... ça fait je sais pas combien de temps qu'il est plus au McDonald's, je ne sais pas pourquoi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Moi, je vais créer une pétition pour le retour du charolais. Ciao. Charolais.